Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens bons. Arouf Gangsta. Bon, Arouf Gangsta, il est en train de nier les faits. Il est en train de nier les faits, hein. Il fait comme si que voilà, il s'est pas branlé devant une petite devant une poussette. Mais par contre, il a pas dit comment dire, il a pas dit que voilà, qu'il a pas pointé des jeunes filles, et il a pas nié les propos des jeunes filles. Il dit que les gens, elles inventent des rumeurs sur lui alors qu'il y a des preuves. Donc pour tous ceux qui pensent que Arouf Gangsta est quelqu'un de sain et qui a toute sa tête, même avec des preuves, même avec des vocaux, il dit que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, c'est comme si vous, on vous voit en train de violer une fille, ou je sais pas, faire une dinguerie. Quelqu'un vous, que vous connaissez, vous le voyez en train de faire une dinguerie, et il dit c'est pas lui. Donc, là, il n'y a même pas à juger le personnage. C'est que le mec, je vous ai dit, il a un grain. Il a quelque chose qui va pas. Donc voilà, donc ça sert à rien de s'acharner sur lui, laissez-le dans son délire. Moi, voilà, je dis juste que... Arrête de parler des Renois, juste ça. Calme-toi avec la communauté noire. Parce que malgré que t'es fou, t'as un petit peu de conscience quand même. Parce que si tu sais envoyer ton zbou à des filles de 14 ans, c'est que voilà, c'est que t'as quand même un petit peu de... T'as un petit peu de neurones quand même. Il te reste un petit peu quand même, tu vois. Pour piner tout ça et tout, voilà. Pour piner des petits enfants, il te reste des neurones. Et par contre, ne parle plus jamais de la communauté noire parce que t'as vu, moi je peux être un haggal, tu vois, je peux être un haggal. Je sais que je peux te trouver rapidement si je veux. Si je me donne les moyens, je sais que je peux t'attraper, tu vois. Parce que je savais où tu étais à l'époque, que tu t'es fait haggal, je savais que tu étais au foyer Saint-Gratien. Mais voilà, je me disais que c'est un handicapé mental, faut pas le toucher. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc, juste parle plus des noirs, fais ce que t'as à faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, quoi, dans zéro, c'est pas normal que tu valides que. Frère, c'est moi ou lui qui pointe les gens? C'est moi ou Arouf Gangsta qui pointe les gens? Je suis pas le père d'Arouf Gangsta, je suis pas sa mère, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait. Après, j'ai de la peine pour les jeunes filles qu'ils aillent dénoncer à la police, je sais pas moi, que c'est un pointu. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça. Ça date de il y a très longtemps. C'est des trucs il a fait ça à plusieurs reprises. Et elle a confirmé que c'est les gens qui lui ont envoyé son. Qui venaient à lui alors que voilà. Bon, bref. En tout cas. Et il y a l'autre Kerry 78 là, alias gros violeur, gros pointeur. Toi, t'es pas un violeur ni un pointeur. Il faut pas te comparer à Arouf Gangsta, ça c'est vrai, tu vois. Mais toi aussi, t'as un problème parce que t'as 45 ans et tu sors avec une fille de 15 ans. Personne n'a mentionné ton nom. Il n'y a pas une personne. J'ai regardé quelques commentaires dans le Twitter à Arouf Gangsta. Tout le monde le traite de pédophile. Il n'y a eu aucune assimilation à toi. Toi, on sait que t'es un mec qui, voilà, qui aime les petites filles, mais voilà, t'es resté avec ta petite fille de 14 ans, mais viens pas rentrer dans la sauce, parce que tu vois que ça y est, l'autre il est numéro 1, dans une polémique, tu veux essayer de rentrer dans la polémique. Frère, toi t'as eu ton temps, t'as eu ta polémique, tout le monde sait que t'aimes les petites filles, parce que voilà, pour moi à partir du moment où t'as 45 ans, tu sors avec une fille de 15 ans, et tu t'affiches dans les réseaux sociaux, c'est que t'aimes ça, tu vois, t'aimes les petites filles. Demain t'es plus avec ta petite fille, tu vas retrouver une autre petite fille de 14 ans, donc voilà. Donc voilà, donc toi t'es pas mieux que Arouf Gangsta. Sauf que t'envoies pas ton zboum. Donc toi t'es pas un pédophile, tu vois. Mais on voit bien que t'as la dalle de Twitter. T'as la dalle de la polémique. Quitte à dire aux gens j'ai 78 ans, je suis avec une petite fille de 14 ans. Tu continues à ramener ça dans... Bref, en tout cas. C'était une petite vidéo les gars, voilà.